Je m'appelle Florent Courrier, designer et céramiste, spécialisé dans les poteries pour bonsaï. Je suis installé à Paris, dans mon atelier qui me sert aussi pour mon activité de designer industriel. Lorsque je travaille la terre, je ressens une vraie énergie. Il y a une sorte de magie lorsque l'on transforme un morceau de terre en une pièce travaillée complexe, qui après cuisson, à haute température, à plus de 1200 degrés, restera figée pour une durée presque infinie. Au départ, je me suis mise à la poterie car j'avais besoin de peau pour mes arbres. Et par la suite, j'ai découvert que cette activité devenait vraiment complémentaire à mon travail, dans le sens où je l'équilibrais avec une activité 100% manuelle. Travailler la terre doit être tout d'abord un acte d'humilité. Je suis en perpétuel apprentissage avec cet élément qui offre de multiples champs d'exploration. Je crée alors mes pots grâce à plusieurs techniques, comme le montage à la plaque ou au colombin de terre. Il m'arrive aussi parfois de sculpter directement dans la masse le pot et ses pieds. Les classiques de la poterie chinoise sont pour moi les plus grandes inspirations. Le style Kowatari définirait l'essentiel de mes productions en terre brute. Mais j'aime aussi m'inspirer des grands potiers japonais, tels que Kamiya Ryuen et Yukitsu et Yuji Nakano, du four Gyuzan. Et pour l'heure, j'apprends en m'inspirant de ces formes intemporelles, avec l'idée de peu à peu me les approprier avec mon propre style. Maîtriser la technique, apprendre les règles, pour peu à peu s'en détacher. Le fond du pot est encore trop humide pour être assez rigide quand je le retournerai. Pour éviter qu'il s'effondre, j'y place une planche et 5 morceaux de terre qui permettront de le maintenir.
et ainsi de fixer les pieds sans déformer le pot. Pour ce pot, j'ai opté pour deux techniques. Premièrement, l'assemblage de plaques, que je déforme lorsqu'elles sont encore humides. Puis ensuite, je reviens grâce à des outils pour sculpter et définir au mieux les formes. Un jeu de lissage grâce à des outils permet de définir le plus précisément les courbes et l'état de surface du pot. Puis vient ensuite l'étape des trous de drainage, que je viens réaliser lorsque le pot est quasiment terminé et celui-ci retourné. Une fois ces trous faits, je peux me consacrer au détail des pieds. Selon la période de l'année, le pot devra attendre entre 1 et 3 semaines afin qu'il puisse sécher lentement et éviter tout problème lors de la cuisson. Ce qui m'anime lorsque je crée un pot, c'est l'idée d'imaginer le pot vieillir, de voir le pot se transmettre, de voir le pot se patiner. Je signe aujourd'hui la plupart de mes pots avec ce sceau. Ce tampon qui m'a été offert par Kunio Kobayashi un après-midi de juin lorsque j'étudiais le bonsaï au Japon. Je me souviens de cette journée où nous avions choisi avec le maître calligraphe les kanji Furoran qui traduisent mon prénom ainsi. Les fleurs ne meurent jamais. Je signe aussi mes pots sous le nom raccourci de Furo, qui veut dire immortalité. Que ce nom puisse apporter longévité et force à l'arbre qui grandira dans mes pots.